Las Vegas. I have a first stop in 2 hours. It's an old hotel, they name it Hawaiian Hotel, and we will see if it's cool or not. So see you soon. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. About you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first, all of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't. It's a little city in the middle of nowhere. And we take a look. We see if I can find another spot, but the hotel is totally destroyed. Look at this shit inside. And I'm taking my Ford Bronco. It's a beast. Beautiful, I love these colors and I love this color. Allez, so let's go to Las Vegas. J'ai décidé de parler en français parce que c'est vraiment pas assez spontané quand je parle en anglais. Et vu que j'ai pas pratiqué depuis 2 ans, j'ai perdu la moitié de mon anglais. Donc là aujourd'hui j'ai parlé en français. Donc direction Vallée de la Mort. J'ai 2-3 points là, à photographier. Il est 6h. Je me suis levé à 4h avec le décalage horaire. Enfin j'étais réveillé déjà à 2h du matin. Et je suis parti à 4h pour essayer d'être là avant les premières lueurs du soleil. Mais il est déjà trop tard. C'est 6h10 et le soleil commence déjà à se lever là, c'est l'heure de l'heure bleue, là, Blue Hours, vous pouvez le voir. J'arrive dans 34 minutes maintenant, au premier point, Zabriskie, ou un truc comme ça, je sais plus le nom exactement. Et donc voilà, aujourd'hui Vallée de la Mort, et puis peut-être ce soir encore un peu de Las Vegas la nuit, avec les néons, etc. Mais sinon, deuxième jour, j'ai pas arrêté depuis hier, j'arrête pas. Hier, je me suis levé, il devait être minuit, je crois. Minuit ou 1h, je me suis couché, il était 20h. Ça fait quasiment des 20h de sommeil. Des 20h de. Ça fait des journées de 20h. Donc, c'est assez fatigant, mais bon, c'est ce que je voulais, donc je m'en fous. Là, il y a des dunes de sable. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on arrive dans la Vallée de la Mort. C'est assez joli déjà là. Donc j'ai hâte d'être. C'est la première fois que j'y vais en fait. Je connais pas du tout. Première fois la Vallée de la Mort. Je suis déjà venu à Las Vegas, mais j'avais pas fait la Vallée de la Mort. J'avais fait Grand Canyon, etc. Mais voilà. Et j'ai un autre truc qu'il faut que je fasse absolument, mais ça je vais le faire un peu plus tard parce qu'en fait c'était à 4 heures de route et je serais jamais arrivé pour les premiers rayons de soleil, c'est ce que je voulais. Donc voilà, bon bah on se retrouve juste après là, une fois que j'ai trouvé l'emplacement que je cherche à photographier. Allez, ciao!
Allez, premier point à photographier. Premier endroit à photographier, Zabriskie Point. On y est, il fait déjà chaud en fait. Je pensais qu'il ferait plus froid, mais en fait il fait super chaud déjà. Beau soleil, belle lumière, ça devrait être cool. Il y a déjà un peu de monde. Alors là je suis arrivé à Badwater. Alors ce qui est impressionnant c'est cette espèce de silence, il n'y a pas un bruit. Là, il y a une voiture qui arrive, forcément ça fait du bruit, mais sinon il n'y a pas un seul bruit, c'est juste flippant. Quand on a l'habitude de vivre en ville et qu'il y a toujours du bruit en continu, là on se retrouve dans un endroit où il n'y a pas un seul bruit. Et là on peut voir là, le niveau de la mer en fait, il est super bas. C'est impressionnant comme endroit. Après, je sais pas si c'est très photogénique, mais en tout cas, c'est juste impressionnant cet endroit. Parce qu'il n'y a pas un seul bruit en fait, quand c'est pas de voiture qui arrive. Juste un truc de malade. J'ai une tête défoncée. Avec les heures que là, je passe en ce moment, là, je passe plus de temps éveillé qu'à dormir. C'est... espèce de sel, je sais pas ce que c'est en fait, quoi. C'est assez étrange, je trouve. C'est pas très beau, c'est pas forcément très beau en fait. Mais bon, je voulais le voir, et puis après, bon, je me casse, je vais ailleurs, je vais essayer de faire autre chose. Alors là, en fait, on voit un peu la dimension du truc, quoi. C'est ouf. Bon bah voilà, j'ai vu. Je sais pas si ça en vaut, ça vaut vraiment le détour, quoi, mais au moins c'est fait. J'ai vu Badwater et je sais pas où je vais aller maintenant là. Il y a une butte de sable là, une dune de sable. Mais c'est une heure de route. Je vais essayer de voir ce qu'il y a à côté en fait, pas trop loin parce que voilà quoi. Allez, let's go. On va aller voir ailleurs.
Bon, là on va voir les dunes de sable. Ma tête est en train de se décomposer petit à petit. Plus le temps passe et plus c'est une catastrophe. Les yeux rouges qui piquent. J'ai un truc de lézard. Enfin bref. Et là, petite promenade pour arranger le tout dans les dunes de sable où je vais avoir du sable plein les pompes, ça c'est certain. Et voilà quoi. Bon, je vais pas aller bien loin parce que franchement ça me gave de marcher là-dedans. Je suis en mode relou là parce que je suis fatigué là, mais fatigué. Enfin voilà, il faut profiter du spectacle. Mais alors pour l'instant, la vallée de la mort, mis à part son nom qui est impressionnant, ça m'a pas. Je sais pas. Bon, après, c'est un bel endroit, hein. Mais non, il n'y a pas l'effet waouh quoi.